pompiers, institutions judiciaires et pénitentiaires. On fait une pierre de coups, on réunit nos forces sur les prêges et ça permet de mobiliser plus de monde à cet endroit. Bloquer l'institution, si on les embête, nos magistrats par le haut, ça, forcément ça redescendra vers le bas. Là, nous, on n'en peut plus, il faut que nos magistrats comprennent aussi que c'est très compliqué pour nous d'appliquer leurs décisions de justice. Arriver à faire que le garde des Sceaux aussi voit les problèmes récurrents qu'on a au niveau de la région, au niveau des effectifs de personnel. On ne peut plus tourner comme ça. On a un gros problème d'effectifs ici à Albide qui est récurrent depuis plusieurs années. Au niveau de la CAP, on n'est jamais comblé, départ en retraite n'est jamais comblé. On a aussi pas mal d'accidents de travail. Donc aujourd'hui, on tourne dans des conditions catastrophiques. Près, nous visitons tous les établissements de l'Occitanie et là nos collègues n'en peuvent plus, les matelas au sol, on n'a jamais battu autant de records, c'est horrible, on ne peut plus, nos collègues n'en peuvent plus. Ça va engendrer de nombreux problèmes en détention, notamment pour les agents, des rappels, de la fatigue, du travail en plus. Également, on compte aussi sur l'Occitanie plus de 600 matelas au sol. Sur la maison d'arrêt d'Odèze, on est à presque 40 matelas au sol, ce qui représente un détenu sur 5 qui dort par terre. Avec l'été qui va arriver, ça va créer des difficultés pour les personnels qui seront déjà fatigués par les vacances de poste. Chaleur, tension, ça devient compliqué pour nous.